Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre agenda. Voici les événements que nous vous proposons de découvrir cette semaine. Du 25 au 27 septembre, vous êtes tous invités au congrès Mission à la Basilique du Sacré-Cœur. Un temps pour prier, se former et apprendre à répandre la parole de Dieu. Conversion, évangélisation et guérison seront les thèmes évoqués par les différents intervenants. Les conférences et ateliers seront animés entre autres par l'abbé Grosjean, le blogueur Cause Toujours ou encore Jean-Pierre Denis, journaliste à La Vie. Il est possible de s'inscrire sur place ou alors sur le site internet www.congremission.com. La pastorale des jeunes de Toulouse propose du 26 septembre au 8 octobre le festival Open Church. L'occasion pour les jeunes toulousains de découvrir à travers 10 thèmes différents les 60 groupes de jeunes de Toulouse et leurs propositions. Au programme, prière, formation, danse, théâtre ou encore louange. A noter que deux soirées DJ dans l'église seront aussi proposées. Le festival finira avec une messe de clôture le jeudi 8 octobre à 20h à la cathédrale Saint-Étienne. Plus de détails sont disponibles sur le site internet www.etudiant-toulouse.catholique.fr. Le mercredi 30 septembre, à Reims, aura lieu le traditionnel rassemblement pour les malades et les personnes âgées à l'occasion de la Saint-Rémy. Deux messes seront proposées au même moment à 14h30 à la basilique Saint-Rémy et à l'église Sainte-Jeanne d'Arc. Deux célébrations organisées pour donner aux malades, personnes âgées et à leurs accompagnants un moment pour se retrouver et prier ensemble. Il sera possible d'arriver sur les lieux de célébration à partir de 13h45. Plus de renseignements sont disponibles sur le site www.catholique-reims.cef. Vous serez comme des dieux, c'est la pièce de théâtre qui sera proposée samedi 3 octobre à 20h30 et dimanche 4 octobre à 15h30 au théâtre Saint-Léon à Paris. Cette œuvre de Gustave Thibon, reprise par deux étudiantes de l'Institut Albert le Grand à Angers, raconte l'histoire d'un monde où les hommes ont éradiqué la souffrance et la mort et sont devenus des hommes-dieux dans un paradis artificiel. Une comédie musicale qui souhaite exprimer le désir de l'homme de se placer au-dessus de Dieu et d'oublier ainsi qu'il a une âme. Plus de renseignements au 06 69 98 69 38 ou par mail à a.hero@yahoo.fr. Si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous contacter par mail à agenda@ktotv.com ou à l'adresse postale qui s'affiche sur votre écran. Nous finissons cet agenda en musique avec un extrait des sonates du Rosaire reprise par Franz Bieber. Bon week-end à tous.